et sœurs. Alors, cette série, c'est une série que j'ai commencé. On a fait ensemble 6 épisodes. Alors, aujourd'hui, c'est la fin. Alors, nous allons continuer. Nous allons terminer avec une parole puissante. Nous allons lire dans le livre de Jean 11, 40. Jésus leur dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, seulement si tu crois, pour voir la gloire de Dieu, tu dois croire. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, comment est-ce qu'il va croire? Comment est-ce qu'il va croire? Comme quelqu'un dit quelque part que, Seigneur, quelqu'un a dit quelque part que, Seigneur, qui a cru à notre rapport? Qui a cru à notre message? Qui a cru à notre prédication? Alors, quelqu'un d'autre nous dit que c'est dans Romains 10. Et la personne répond et dit que, donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est venu nous dire que les messages, Dieu les avait donné un message. Dieu les avait donné un rapport à aller donner au peuple. Que les rapports que Dieu les avait donnés, les gens devaient croire à ces rapports. Quels étaient les rapports? L'histoire, les rapports est bien mis ensemble dans le livre d'Ésaïe 53. Les rapports, le message est mis dans le livre d'Ésaïe 53. C'est là où même le prophète Ésaïe est en train de dire, Seigneur, qui a cru à notre message? Il est en train de dire, Seigneur, qui a cru à notre message? C'était un messager, on l'a envoyé pour parler au peuple. Et maintenant, quand le peuple écoute les messagers, cela produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Si on ne te raconte pas l'histoire, tu ne peux pas croire. Alors, tu dois croire à la prédication. Tu dois croire au rapport qu'on te donne. Et maintenant, quand tu crois au rapport qu'on te donne, tu as la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as la foi. Maintenant, quand tu as la foi, tu marches dans la foi, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois de gloire en gloire. Tu vois de gloire en gloire. Maintenant, mon frère, maintenant, ma soeur, ce que je vais te dire aujourd'hui est ceci. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire du soleil? C'est quoi la gloire de la lune? C'est quoi la gloire de l'homme? C'est quoi la gloire d'une femme? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Qu'est-ce que l'ennemi, Satan, cherche jour et nuit? Qu'est-ce que l'ennemi cherche jour et nuit? Quand il se passe sous son temps en train d'attaquer les gens, qu'est-ce qu'il cherche? La gloire de Dieu. Il y a une gloire pour la lune. Il y a une gloire pour le soleil. Maintenant, est la gloire de la lune, est la gloire du soleil, sont des petites choses devant la gloire de Dieu, devant la puissance de Dieu, devant le grand feu, l'éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui règne de gloire en gloire. C'est lui qui est assis sur le trône et toute la terre et le ciel ensemble l'adorent. La gloire de Dieu. C'est une force, c'est une puissance qui est à Dieu. La gloire de Dieu. C'est la force et la puissance de Dieu. C'est ce qui détermine l'étendue du terrain
où Dieu a la force d'exercer son pouvoir. La gloire de Dieu. C'est tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a créé. La gloire de Dieu. Maintenant, si tu crois, tu vas voir cette gloire. Si tu crois, tu vas voir cette gloire dans ce que tu veux. Parce que l'histoire ici, ça nous parle de Martha et sa sœur Marie qui voulaient voir leur frère guéri d'abord. C'est pourquoi ils ont appelé le Seigneur, pour que leur frère puisse être guéri. Maintenant, la gloire qui est la gloire, la force qui était sur Jésus ces jours-là, en venant, il allait guérir leur frère. Ils allaient voir, nous avons vu la gloire de Dieu, la force de Dieu, la capacité de Dieu. Il a guéri notre frère. Et maintenant, Jésus-Christ est venu 4 jours après. Leur frère qui était malade était maintenant mort. Maintenant, ils étaient là. Ouh, Seigneur, il est mort. Si tu étais là, le Seigneur leur dit que, hey, si tu crois, tu vas voir ma gloire. Même dans cette histoire-là, où le frère était mort, tu vas voir. Tu vas voir. Hein, tu vas voir. Ils ont crié en disant, ils ont crié avec le peu qu'ils pouvaient. Mais Jésus-Christ a fait montrer sa force. Il a fait voir sa capacité. Il a fait voir son pouvoir. Il a fait voir sa gloire. Ils ont vu la gloire. Jésus-Christ a réveillé Lazare de la mort. Tu veux voir la gloire de Dieu. C'est comme ça. Tu veux voir la gloire de Dieu dans tes opérations. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, tu as vécu. Tes histoires sont bloquées. Tu ne sais pas comment sortir. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas si c'est le jour. Tu ne sais pas si c'est la nuit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta nuit ou dans tes flous, tu vas voir la gloire de Dieu. Et l'apparition de la gloire de Dieu va faire fuir la nuit. Va faire fuir la nuit. Parce que le soleil et la lune sont des petites choses devant Dieu. Parce que le soleil et la lune ne vont même pas entrer au ciel. Parce que là où nous allons, nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin du ciel, nous n'avons plus besoin du soleil ou de la lune. Parce que le Seigneur lui-même, sa gloire va nous donner une lumière pour l'éternité. Mais cette force-là, Dieu a mis ici. Cela peut marcher pour toi maintenant. Cela peut marcher pour toi maintenant. Seulement tu dois croire. Seulement tu dois croire que toute cette situation qui m'entoure, oh Shakarata, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Oh, je crois en Dieu. Et je vois la gloire. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, alors commence maintenant, mon frère et ma soeur, à croire. Commence à croire. Tu dois croire. Si tu veux voir la gloire, si tu ne crois pas, Hébreux 11:6. Tu ne peux pas plaire Dieu sans la foi. Tu ne peux pas plaire Dieu sans la foi. Alors, si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que tu n'es pas en train de le plaire. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois. Ça, ce qui vient vers Dieu. Alors, si tu veux faire autre chose, il n'y a pas de problème. Tu peux faire autre chose. Tu peux faire autre chose par tes muscles. Tu peux faire autre chose. Donc, tu peux avoir le temps d'aller faire tout autre chose que tu veux faire. Mais quand tu viens ici pour Dieu, pour Jésus, pour le Saint-Esprit, ce que tu veux vient vers Dieu. Doivent croire qu'il existe. Et ils doivent croire aussi qu'il est l'éliminateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu existe. Et ce n'est pas seulement qu'il existe.